Hello VOD! On est sur Red Dead Redemption. J'espère qu'on m'a entendu. Oui. Alors. Oh! Ah oui, mais dis donc, j'en avais beaucoup. C'est la rançon de la gloire. Vous savez ce qui s'est passé du coup à l'extérieur de Strawberry? Qu'est-ce Ah, qu'il pas voulait? du tout. Oui, il y a du monde ici. Ouais. Rendez-vous au salon de Blackwater. Ah, Butch. Ah, faut que je supprime mes anciens. Sinon, il est difficile à trier. Il y a des gens qui t'écrivent, Prosper. Ouais, j'ai mon copain Dusty Carlton, parfois il m'écrit. Et c'est On qui est sur celui-là? la piste. On est c'est quelqu'un qui enquête sur des gens. Oh. Ah bon? Il y a eu un enlèvement d'une petite fille par deux L'enquêteur? podologues. Oui. Par des C'est bien. On est Il y a deux. podologues. Oui, apparemment, des podologues qui enlèvent des enfants. Ah. Et du coup, ils Je cherchent pense que après. c'est pas le bon mot. Ah, c'est Oui, possible. je crois que. C'est Mais sûr en qu'on tout t'a pas cas. plutôt dit pédophile? Ah, c'est peut-être. Ah, peut-être bien. Ouais, c'est Bah, en tout cas, pas la c'était même des chose. gens et ils avaient envoyé une petite fille à Emerald Ranch. Et du coup, J'ai supprimé les anciens. Monsieur Carlton, lui, il est à leur pourchasse. À leur pourchassement. Oh. Juste pour que tu saches, un podologue, c'est quelqu'un qui aime un peu trop les enfants et un pédophile, c'est quelqu'un qui s'occupe des pieds. Ah oui, c'est pas. Ah bah oui, c'est pas pareil alors du coup. Bah oui. Allez, c'est pas pareil. Mais je vous. Bonsoir. Ah Alors bonjour, bonsoir. rebonsoir. Ah, je vous ai dit, hein, parfois les mots c'est compliqué. Allez-y, allez-y. Merci. Bah, Mais du coup, il m'a j'arrive pas à donné un écrire. rendez-vous à 22h45, mais c'est peut-être un peu tard. Ah oui, en effet. Ah oui. Il y a eu des braquages, il y a eu des braquages aussi T'en as reçu aussi? à Valentine. Et vu que je Ah oui! l'ai pas dit, je suis réveillée. Mmh. Surveillée tous les deux. Bon, je lui dis qu'on attend. La vie? Bah, je te laisse lui répondre, il me demande si je suis avec toi, on va pas lui répondre toutes les deux. Ah, il y a quelqu'un qui est mort, Valentine. Oh! Qui Ah ça? bon? Renard, je sais pas si vous voyez qui c'est. Non. C'est un Un des petit trappeurs. animal. Ah non, c'est pas lui alors. Ah. Voilà. Mais prenons un correcteur. Y'a un qui est pas joli, je crois. Et bonsoir. Bonsoir. Ah non, oui, j'avais écrit Stark comme ça. Ah non, la mercellerie, c'est pas bien, ça. Et pourquoi? La mercellerie, c'est lui envoyer de la mort, tu vois. Quand il est. De la mort, tu vois, parce que quand tu les vois, c'est déjà trop tard. Ah non, moi je les ai vus, c'est pas mort. Non, mais généralement, quand tu les vois, c'est pas que. Parce que là où on les voit, parce que c'est pas pour nous, mais quand tu les vois, Arturo? tu viens de porter, généralement, c'est trop tard. Ah voilà. Et Oh punaise. il faudra que je voie. Hop là. Ah, vous savez, pas compris. Voilà. Hop là, je vous laisse la place. J'ai pas écouté. Ah oui, d'accord. Pardon. Vas-y. Les Ouais, c'est marchands. pas grave. Mais j'écoutais, mais j'écoutais plus. Ah oui, d'accord, moi je suis passé. Je... Si, répète. En fait, il rentrait et ressortit par une oreille. Ah oui, Oui, c'est bah, vrai. on m'a dit que j'avais la tête creusée. Mais non, on dit t'es en l'air, pas la tête creuse, t'es intelligente. Oh, mais vous êtes trop bien sortis tous les deux, vert et rouge. Ah non, c'est pas mon amoureux, hein, j'en ai Ah déjà ouais, un. non, Hein. c'est vrai. Ah bah, en tout cas, les couleurs vont très bien ensemble. Bah, merci, madame. Ah Mais oui, c'est bon, gentil, tiens. c'est l'élégance, ça. Et si la verte, c'est la couleur de l'espoir, c'est vrai. Ah oui! Eh ben, vous avez de l'espoir. Ah Le oui, rouge, c'est c'est vrai. la passion. Oui, c'est vrai. Moi, je suis quelqu'un de très passionné. Passionné par quoi? Partout? Oui, et rendre les gens heureux. Oh, c'est beau ça! Curieuse, passionnée, pleine de vie, pleine d'espoir et pleine d'amour. Non, c'est Oh, l'espoir, c'est c'est beau la moi qui. jeunesse. Mais non, mais je serai toujours comme ça, moi. Eh ben, je te le souhaite, petite. Et puis, je veux
sauver les orphelins. Ça c'est bien, tu devrais être mère. J'ai un peu petite, non? Bon. Ouais, mais ça veut pas dire qu'un jour c'est pas possible. C'est ça. Elle peut être sûre que tu vois bien le gouverneur. À l'air. Oui, gouverneur, je suis d'accord. En quelques années. Tu pourrais peut-être être adjointe en attendant. Je suis sûre qu'il y aura des miracles. Je sais pas très bien écrire, mais je sais bien penser. Ouais, on a plein qui savent pas très bien écrire, hein. Mais ils sont bien plus vieux que toi. Oui. Ouais, il y en a qui apprennent encore avec Meredith. Je dis tout le temps la vérité. Et j'essaye de faire en sorte que les gens arrêtent de se compliquer la vie. Ah, ça c'est bien aussi. J'ai plein de beaux projets. Toujours. Ah bah non. Surtout quand on est petit. Moi j'ai raison. Et il s'appelle comment le jeune homme? Et moi c'est Edouard Tetler. Edouard Tetler. Tetler. Ah oui, faut avoir des surprises et des rêves en tout genre, ça c'est vrai. Oui. Tetler. Et vous, jeune dame, je vous ai pas demandé. Ah oui, j'ai des surprises, ça c'est vrai, j'en ai plus. Abigail Murphy. Abigail Murphy, d'accord. C'est la meilleure. Ah, moi bah, je veux bien te croire. Si tu le dis, tu dis toujours la vérité, ce que tu m'as dit. Oui. Parce que c'est grâce à elle et à Alec que maintenant j'ai une famille et je suis plus orpheline. T'es adoptée. Pas encore. Oui. Oui, mais c'est tout comme. Oui, c'est tout pareil. Pour nous, ça l'est déjà. Oui, dans notre cœur. C'est bon, ça fait une jolie famille. Oui. Et dans le monde du monde, là. Oh, c'est calme par rapport à tout à l'heure. Oui. Bah, ah oui, j'ai pas vu tout à l'heure. Beaucoup c'est qu'il y a beaucoup de chevaux qui courent dans tous les sens. J'aurais pas envie de m'en prendre un dans la tronche. Ah oui, ça va faire mal. Oui. Et je tremblerais si c'est devenu une écurie, c'est vrai. Un petit peu, oui. Bah, j'avoue que la dernière fois, moi-même, j'ai appelé mon cheval pas suffisamment loin. Bon, bah, le cheval a pris quelques shérifs sur le chemin, quoi. C'était pas contre vous, je voulais jeter le papier au visage. C'est de la médication. Tout va bien. Une petite boule de papier avec un télégramme, j'ai voulu lui jeter au visage, mais c'est vous qui avez. Parce qu'il y a madame Daphne qui s'est fait chiropracter. Oh, bah tiens. Par derrière, boum. Ah, on se fait tous redresser aujourd'hui. Mais carrément, c'est un jeu. Ah, c'est un jeu, oui. Et où, psychologue? Une ville de médecins, là. Ah, il est parti la se coucher, je crois. Il est parti, on dirait. Ah bah là, dame Daphné vient de se faire frapper. Ah. T'as besoin d'un psychologue pour réparer ses blessures. Un problème d'ego, il faut que je lui fasse des compliments. Bonne soirée, à une prochaine. Au revoir, monsieur Woody. Le plus dangereux, ce serait de faire redresser M. Woody. Suffit qu'il se retourne vite, paf, direct dans les tibias. Oh bah ça oui. Après bon. Il semble pas être du genre à répondre. Non, c'est vrai. Je veux dire, c'est voilà. Bonne patte. C'est ça. Bah, du coup, qu'est-ce que les gens font là? Eh bah je sais pas. J'attendais un petit peu que tout le monde ait fini avec son télégramme pour savoir. Bah oui. Mais non, bah non, on avait parlé un petit peu de voir les faire des combats sur faire des paris sur des combats, mais je pense qu'il n'y a plus assez de monde. Oh bah oui, là, à cette heure-ci... Ah, parfois ça se déclenche tard, mais oui, là ça commence à être compliqué. Et puis tout le monde est parti. Bouh. Bouh. Tu fais peur, hein? Ah oui, t'es vachement bien. Oui. Que de surprises. D'habitude, c'est les gens, ils ont peur de moi parce que je suis vachement effrayant et champêtre. Oui. Et tu... Quoi? Je suis vachement effrayant. Je suis vachement effrayant et champêtre. Et un peu flamboyant. Vachement effrayant et champêtre. On prend une mine dans le saloon et tout le monde va mourir, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui va mourir? Non, mais en fait, ça va, ils étaient déjà au courant pour la personne qui est morte. Ah oui, d'accord. Oui, bah Valentine, moi j'étais pas du tout au courant de ce qui se passait là-bas. Ça veut dire quoi, champêtre? Enfin, à mon avis, ils voulaient pas qu'on soit au courant, quoi. Je sais pas trop bien. Oui. Maintenant, bah peut-être que tout le monde est au courant à cause de moi maintenant, mais bon. C'est parce que j'ai entendu, je trouve ça, c'est joli.
Voilà. C'est possible. Bon, je le connaissais pas, de toute façon. Madame. Oui. Mais bon. Ça veut dire quoi, champêtre? Ça veut dire... Vas-y. Ce qui est proche de la campagne, tu sais. Ah ben voilà, c'est champs, comme moi, là. Champêtre. Parce qu'il a dit qu'il était Rose. Oui. Je sais pas ce qu'il te dit, mais t'es beaucoup mieux que lui, hein. L'écoute pas, surtout. D'accord. C'est bizarre comme compliment, madame Daphné. Elle est pas douée en compliment, beaucoup. Elle est plus douée en redressement. Non, oui, c'est moi ça, j'ai eu un bon compliment, moi j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai. Ah, mais c'est qu'il est proche de la nature, il s'appelle Forêt en plus, Prosper Forêt, alors... Ah oui, comme une forêt. C'est ça. Ou alors c'est qu'il aime paître dans les champs, comme des vaches. Mais... Ça m'est pas encore arrivé, mais avec ce qu'on a bu aujourd'hui, oui, il m'a dit que ça arrive pas. Vous allez finir à quatre pattes dans la forêt et brouter l'herbe? Bon, peut-être bien. En bon, on en est. Pattes, c'est possible. Faut dire... Découpeur, on attend un peu Halloween. Vous faites bien la vache. Mmh. Elle est un peu déprimée, votre vache, quand même. Allez, vas-y. On dirait que vous allez chanter. On vous écoute. Allez-y. Mais non, elle regarde sa carte. Ah bah, moi, je vois pas de carte. Je suis ravie de vous avoir rencontré, mais je vais devoir y aller. Très bien, et bah, très bonne soirée à vous, Miss Daphné. On se reverra peut-être plus tard dans la soirée, voilà. Je vous avoue que je suis un peu stressée là, donc je vais y aller vite. Au revoir, madame. D'accord, d'accord. Ce fut un plaisir en tout cas. Au revoir, allez-y. Au revoir tout le monde. Au revoir, au revoir. Oh bah dis donc. Oh bah ça file comme une flèche. Oui. Oui, il y avait des mauvaises nouvelles apparemment au télégramme. Bah oui, on dirait. Ah, oula, tu es le shérif aussi là, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, bonjour. Bonjour. Bah, pas bonjour alors. Oh, bonjour. Ah, ils ont eu du boulot aussi. Bah oui. DJ. Oui, c'est moi. Comment ça va? Bah je vais peut-être aller jusqu'à la quarter du coup. Ça va, ça va. Ouais, j'irai bien jusqu'à Valentine pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors t'as joué sur... Ah bah je peux vous accompagner jusque là. Oh bah oui. Faisons ça. Je vais m'éloigner pour appeler mon cheval par contre. Ah bah oui. Ouais, oui, bien sûr, un Valentine, je vais te coucher des bisous gros doudou. Il y a quelqu'un qui est mort à Valentine, c'est ça? Pardon, dites-moi. Il y a quelqu'un qui est mort à Valentine? Bah oui, j'ai cru comprendre, et puis il s'est passé un braquage, et puis il y a eu du... Ah oui. En plein de choses, quoi. Moi, j'ai pas reçu d'infos, c'est simplement... C'est simplement la mystère. Mais en fait. Oui, ce soir, disons, tout le monde était agité. Bah apparemment. Et nous, on était au saloon. Bah oui. On buvait. On racontait des blagues. Oui. On faisait de la kiro karaté pratique. Karaté pratique? Ah oui, ça marche bien. Hein. Ah oui, oui. Au revoir. Un qui est fort pressé de faire de l'or. Ah, apparemment. Ah oui. Ah oui, quand il arrive, on le remarque. Ah bah oui. Doucement, bijou. Bah, doucement, tartiflette. Tartiflette? Ah, c'est sympathique, ça. Ah bah oui. Ah, ils sont toujours trop moins stressés quand on les appelle, hein? Ah, à chaque fois, oui, ils sont tous énervés. Bon, t'es calmé? Ah oui, mes bijoux. Allez. Je vous suis, du coup. Alors, par où c'est? C'est tout droit. C'est tout droit. Ah, c'est... Je découvre la région, hein. Ah oui, bah oui. Si vous voulez qu'on aille un peu plus vite, vous me dites. Hein. Ah bah allez-y. Parce que je sais pas... Votre petite âne, je sais pas... Ah, vous inquiétez pas pour lui. Hein. Ah, il est drôlement rigolo, j'aime beaucoup. Ah, il est marrant. Il a un bon petit caractère de... Bon, parfois il m'énerve, mais ça va. Oui. Ah bah c'est un âne. Hein. Et puis bon, je sais qu'on m'a dit, les ânes, on les entend de loin. Ah bah oui. Oh, pardon. Je... Ah bah le monsieur est en plein milieu du chemin. Oui. Peut-être qu'il regarde sa carte. Ah, peut-être bien. C'est tout droit, hein? C'est tout droit, c'est tout droit. Allez, je vais. Hop! Je vais donner le rythme. Et voilà. Oula! Pardon, pardon. Ah bah oui, mais ils sont en train sur le chemin aussi, hein, forcément, hein.
Bah oui, mais c'est ça quoi. Oula, 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 oula. Il fait des demi-tours. Bonjour. Bonjour. Et au moins il est poli, parce que parfois j'en croise, ils sont pas polis. Ouais, c'est vrai, il y en a, ils disent pas bonjour. Oui. Il y en a, ils s'énervent parce qu'on marche à côté d'eux. Ouais, bah oui, carrément. Alors que bon, des fois on veut discuter quoi. Ouais, mais souvent c'est les pas bavards, déjà ils parlent une langue étrangère, pardon. Ils disent brother brother, et ensuite. Brother. Et c'est vrai. En tout cas, votre âne il est fort. Il est fort rapide. Ah oui, oui, encore là, il pourrait aller plus vite, mais on dirait qu'il est en. Ah, je vous ai pas entendu. J'ai l'impression qu'il est amoureux de votre cheval parce qu'il est perturbé quand il est à côté. Ah, c'est une femelle, hein. Ah, bah voilà, c'est pour ça. Eh oui. Voilà. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il connaît le chemin, quoi. Oh, pardon. Oula. Il a drôlement glissé, pourtant. Mais il connaît pas le chemin, hein. Je veux pas lui rentrer dedans. Évitez de rentrer dans votre petit âne quand même. Vous savez que une fois que vous avez dit à votre cheval tiens on va là. Ah. Ah non, ça je savais pas. Ah bah c'est pratique hein, vous devriez essayer. Oui. Vous lui dessinez un V un petit peu long sur la tête et ensuite hop là-bas, c'est parti. Vous pouvez réfléchir à votre journée après, c'est tranquille. Oui, parce que bon, quand je fais ça, souvent, vu que je vois pas bien la route. Bonjour, bonjour. Donc bon, je fais moins, quoi. Oui, bah oui, c'est ça. Oh, c'est par la view. Allez, c'est parti. Oh, wow. Pourquoi tu t'arrêtes? Oh, ça fait bizarre quand vous regardez votre carte avec votre âme. Non. Ah, il est bien rigolo en tout cas, ce jeune homme. En principe, ici, c'est tout droit maintenant. On devrait plus être embêté. Ok. Condition qu'on croise pas un groupe à 10 là. Ah bon, vous savez, ils m'ont vendu un super porte-bonheur là maintenant. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que je suis bon là. Pour les élections. Allez. Oh merde, touche permanente. Allez. Oui, navré, je sais pas pourquoi elle voulait plus avancer. Ah. Non, un petit souci autre, mais mais quand je vous ai vu arriver, dis donc. Ah bah oui. J'avais fait demi-tour, je me dis tiens, j'entends plus rien. Ah, vous faites des demi-tours bien plus rapides qu'à cheval, hein. Ah oui, demi-tour acrobatique. Oui. Mon destrier, il est aussi flamboyant que moi en fait. Oui, c'est vrai. Oh, il lui faudrait aussi des accessoires. Bah oui, je vais en rajouter plus tard. On peut aussi, il y en a à la taille des ânes. J'ai pas vu. Quelques ânes, mais j'ai l'impression qu'ils sont trop grands. Ah. Bon, monsieur. Ouais, je... Okay. Oui, ouais, voilà. Il me dit des trucs. Laissez-moi respirer, non mais ça va aller, ouais. Ah, il y en a qui sont pas patients, hein. Ils sont mal éduqués. Oui. Ah bah dis donc. Bonjour. 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 Oh bah. Oh bah c'est. Bah c'était Madame Daphné. Ah bah oui. Oui bah oui, c'était Monsieur Duke.
Donc oui, effectivement, elle a dû le rejoindre. Ah, c'est son monsieur ? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. C'est lui qui a une grosse voix et qui est impressionnant, avec son grand cheval. Ah, l'ours ? Ah oui. Non, on comprend mieux. Ah bah voilà, c'est ça qu'elle était pressée. Oui. Je viens pas trop souvent à Valentine. J'y passe de temps à autre parce que j'ai ouvert un compte là-bas, mais c'est vrai que finalement, j'y vais pas très souvent non plus. Mais il y a un restaurant très bon. Ah, c'est toujours ça. Oui. Ah oui, il faudrait que vous voyiez Bébert. Ah oui, on n'arrête pas de m'en parler de ce Bébert. Oui, c'est un poète. Oui, c'est un poète. Ah c'est vrai, il faut laisser son cheval ici. Ah, c'est ici qu'il faut le laisser à l'extérieur, je savais plus où c'était. Bonjour. Ouais, c'est ici. Bonsoir. Ah, laissez-la alors. Oui, bah tu m'attends. Ah, autrement, il y a le boud. Ah oui? Ouais, là, il râle, regardez, il râle. Ah, c'est vrai qu'un âne, ça râle beaucoup. Ça a son petit caractère. Oh, je déteste pas. Bon, ça, madame Daphné, elle me dit, ah, si vous voulez une femme. Ouais, mais j'ai déjà un âne, moi, madame. Oui, effectivement. Après, bon, faut faire attention à la manière dont on en prend soin, quoi. Ah, bah oui, oui, ça, c'est sûr. Alors, j'ai juste passé la vitre et... Ça, j'ai une fois vérifié que j'ai bien tout enlevé, moi, ici. Hop là. Je vais déposer. J'ai plusieurs trucs, donc je vais déposer ça. Oh mince, mon fusil glisse. Il me reste 7,41, ça va. Hein. Vous l'avez trop huilé. Oui. Oui, puis bon, la sangle, elle est pas à ma taille. Alors du coup, il glisse souvent et je dois le remettre. Mais bon, embêtant. Parfois les gens ils pensent que je m'arme, quoi, alors que pas du tout. Bah oui, j'avais pas l'air d'être quelqu'un de violent. Oh non. Moi, je préfère discuter avec les gens. Bah oui, je suis un peu comme pareil. Bah je vois ça, c'est fort agréable. C'est pour ça que j'ai même pas pris de fusil. Je serais capable de me tirer dans le pied, ce serait dommage. Au prix des balles, c'est peut-être pas plus malin. Ouais, oui, en plus. Ah, j'ai eu cette surprise. J'en ai pris en me disant, bon, si je vais pêcher, je préfère me défendre s'il y a des bêtes. Bah, quand mais j'ai vu le prix des balles... C'est le prix pour 10. Ah, c'est le prix par balle. Ah oui, d'accord. Du coup, j'ai littéralement une arme à deux balles. Ah oui, d'accord. Ah, on fait comme on veut. Non, bon, je les garde précieusement. Ah bah, écoutez, quand vous tirez, tuez la personne, hein, parce que autrement, ou tirez sur des riches, hein, parce que... Autrement, c'est pas rentable. Ouais, on va faire plusieurs, quoi. Réussir à ricocher. Allez pas tirer sur un bison et revendre la viande pour 10 cents, hein, ça sert à rien. Non, c'était simplement pour me défendre, mais bon, avec ça, je ferai pas grand-chose. Au moins, j'ai l'air armé. Bah, en fait, le problème avec les balles, c'est que on en prend pour se défendre, pour qu'on nous vole pas notre argent, et en fait, on n'a plus d'argent, donc... Voilà, exactement. Ça n'a pas de sens. Mais bon, je me prendrais peut-être un arc. On m'a dit que c'était plus rentable. Ah bah sûrement, ouais, à mon avis. Vous avez pas d'arc non plus, vous avez qu'un couteau. Ah ouais, j'ai que mon couteau et mon lasso, moi. Pas d'ennui. Bravo. Pas de pognon. Ah, faut quand même manger. Et boire. Ouais, bah je mets deux fois plus de budget dans la bouffe, alors du coup. Oui, remarquez, quand il y a que ça. Ciao, monsieur. Jure. Oui, il y a comme... Oui, effectivement. Oh, j'ai reçu un télégramme. Qu'est-ce qui... ok. Ah, mais c'est peut-être Monsieur Dusty, en fait. Ah bah tiens, votre ami. Bah oui. Écoutez, je vais aller voir. Bah oui, pas de soucis. C'est étrange. Bah vous lui avez envoyé un télégramme tout à l'heure. Bah oui, mais je pensais pas qu'il était encore là. Bonsoir. Jour. Eh, je pensais à quelque chose.
Oui. La dame qu'on a vue là, avec un oui. rose à Valentine, ça s'appelle Dalton. Monsieur dame. Bonjour. Ouais, bonjour. Vous voulez dire les gens qui voient pas bien les couleurs? Ah oui, voilà, une daltonienne. Ça expliquerait qu'elle a mis son rose. Ah, peut-être qu'elle voulait noir et puis bah ça savait pas. Ah oui, peut-être bien. Bah, je vous avouerai. Ah oui, mais c'est vrai qu'ils ont dit tout à l'heure, il y avait une dame oui. avec un haut rose. Ils ont dit Dalton, ils font des choses, des fois, ils nous disent de faire des choses, mais ils nous disent qu'on n'a pas le choix. Ah bah moi, j'ai dit, je suis chaste, hein. Les bonnes sœurs, elles ont bien dit que je devais pas faire des trucs, oui. des choses. Et puis vous chassez en plus, du coup vous êtes double chaste. Double chasse, voilà, exactement. Voilà. Non mais bon, c'est bon à savoir. On va la garder à l'œil. Hein. C'est ça. Après si elle nous aime bien, bah... Peut-être, ah que, oui, peut-être qu'ils seront sympas. Bah oui. Moi j'ai pas beaucoup ouais. de problèmes avec les gens en général. Non, c'est vrai que moi non plus. Bon, à part ceux qui me disent que je suis une fleur fanée, mais c'est pas un problème, c'est plutôt une constatation. Oh bah ça, ils sont, on s'en fout, hein, je veux dire. Oui. Y a bien des gens, ils pensent que je suis un idiot. ils ont pas compris. N'importe quoi. Quand vous serez mère, ils diront pas la même. Ah ouais, ça va moins la ramener, ça. Ah, ce serait... J'ai hâte de voir ça, en vrai. Ça pourrait être ah très bah, sympa. Écoutez. Ah bah oui, bah, ça va... Ça va filer droit, je vous le dis, moi. Oh, je pense que vous serez au contraire très à l'écoute. Bah oui. Bah oui, je le vois bien, vous, vous m'écoutez depuis tout à l'heure. Ah oui, bah moi j'écoute tout le monde, hein. Oui, c'est ça. Bah par contre, je sais pas du tout, c'est... Oui, en plus, c'est pas Bonjour. Très... Bonjour. Oh bah tiens. Bonjour, madame. Bonjour. Ah bah c'est ici. Oui, c'est ici. Oh pardon, excusez-moi. Ah bah c'est mon ami Dusty. Où êtes-vous? Ouais, par contre, il écrit vraiment comme avec ses pieds. Où êtes-vous? Quand allez-vous vous coucher? Retrouvons-nous. Vous voulez voir Monsieur Dusty? Oh bah pourquoi pas? Bah, je vais lui dire de venir à Valentine. Il est par où d'habitude? Ah bah je sais pas, il doit être dans le coin à mon avis. Ok. Mais il a un grand cheval. Ah, j'ai peut-être déjà croisé sans savoir. Ah là là. Il a une voix un peu bizarre. Ah oui? Bizarre comment? Ah bah bizarre bizarre. Ah. On comprend quand il parle? Parle un peu du nez. J'ai peut-être croisé. Ça me dit quelque chose. Elle n'y rigole pas. Ah oui, non, l'âne... Bah en fait, voilà, tous les destriers ont de l'XP. Et on peut tous les pets pour qu'ils soient à fond. Peu importe le style de monture que tu prends, quoi. Du coup, bah quand tu joues beaucoup avec le même âne, le même cheval, le même truc, et ben, bah, en fait, ou tu peux même les entraîner. Bah, je lui ai dit de venir, on verra bien. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que c'est là-bas, en face? Qu'est-ce qui se passe là-bas en face? Non, je me demandais ce qu'il y avait, si c'était une ferme ou quelque chose comme ça, mais... Ah, c'est un truc, normalement, c'est... Ils font des... Comment est-ce qu'on appelle? Et quand vous faites des enchères. Ah! C'est des enchères de chevaux, normalement, l'endroit. Ah, oh, d'accord. Mais ça se fait encore, ça? Bah non, je pense pas. Bon. Mais c'est à ça que c'est censé servir. Oula, bah doucement avec votre charrette, monsieur. Faut pas mettre le frein, hein. Oh là là. Ça n'a pas l'air simple, la charrette. Bien. Non, ça n'a pas l'air évident. Du coup, l'évoque, bien une espèce c'est de du RP. Me laver un peu. Ah oui. Je suis tout seul. Oui, c'est Où vrai est-ce que je pourrais faire ça, tiens. Bah après, il y a des bancs, mais bon, un dollar pour un peu d'eau chaude, c'est un peu cher. Oui, c'est ça, en fait. Moi, j'ai l'habitude quand c'est froid, de toute façon. Oh, elle est pressée. Oh, ça court. Ah oui. Moi j'aurais peur de glisser avec toute cette boue. Ah oui, non. J'ai déjà glissé tout à l'heure, bon, on m'a beaucoup aidé, j'ai envie de dire, mais. C'est vrai qu'on vous avait bien aidé. Ah, on m'a bien aidé, hein. On m'a bien dressé. Vous pensez pas que ce shérif, cette espèce d'excuse, genre oui, mais je visais mon cheval.
Je sais pas, j'y crois pas moi. Bah disons qu'on prend pas les chevaux au lasso en plus, surtout quand c'est son cheval. Bah oui, c'est un peu bizarre. Mmh. Ouais, il voulait faire son intéressant. Ouais, je pense que vous lui avez tapé dans l'œil. Ouais, c'est possible ça. Une dame comme moi, ça passe pas inaperçu. Eh bah ben, oui, c'est ça. Hein. Et vous savez, la vie de shérif, ça a pas le temps pour... Oui, c'est vrai. La bonne compagnie et les rendez-vous. Hein. Oui. Oui, ça, ça chope coup, au lasso quoi. Bah ben, oui. Oh, est-ce que je peux... Oh. Bon, bah, déjà, je peux boire. C'est déjà ça. Ah bah c'est bien, Prosper. Bois dans le truc des chevaux. Super. Et bah moi, je bois dans la boue. Oh, bravo. Ça veut dire faire la campagne. Moi, je vois bien ça. Ah, ça bon, donne du goût. Hein. Là-dedans, ah, oui, c'est ça. C'est plein de petites bêtes, c'est des protéines. Mais on repart en même temps. Bah oui, c'est ça. J'ai dit la même chose à ma voisine. Ah là là. Oh, c'est marrant, je passe pas beaucoup par ici d'habitude. Bah non. Bah, y a un petit peu rien, il faut. Oui, peut-être pour ça qu'on y passe pas en fait. C'est quoi ici? Ah, je pense que c'est le vendeur de. De charrettes. Ah, c'est les calèches. Okay. De calèches, de charrettes. Combien ça coûte une calèche? Ah, j'ai pas regardé. Oh, ça doit pas être donné. Bah, je peux prendre du foin. Est-ce que les chevaux ils aiment le foin? Ah oui, oui, ils se nourrissent au foin. Oh bah je vais y faire goûter. Oh j'entends des chiens mais j'en ai pas croisé, y'en a? Si vous entendez des chiens c'est que c'est peut-être des loups. Ah! Bon bah c'est que je vais rester aussi. Ici. Le foin c'est gratuit. Oui. Et les chevaux ils aiment bien. Bah oui, je savais pas que c'était à disposition comme ça du tout venant, c'est fort aimable. Je pense que vous pouvez leur donner aussi des carottes. Oui. Mais les carottes, c'est payant. J'en ai quelques-unes, mais bon. On va varier le régime. Bah oui. Ah, mais je les entends aussi, là, vos chiens. Ah oui. Je pense que c'est pas des chiens. Ah d'accord. Oui, y a pas de chiens dans la ville. Bah pas que je sache. J'en ai pas vu. On peut partir en enquête avec Monsieur Dusty après, éventuellement. Oui, enquêter sur les chiens, nous. Vous le dites à personne, mais c'est un chasseur de primes. Oh. Oui. Il a pas l'air comme ça. Et il a une vie cachée parce que il est aussi conducteur de train. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. À notre époque, il faut multiplier les casquettes. Hein. On ne peut plus se contenter d'un seul. On peut plus, mais non. On peut plus, voyez, on peut plus. La vie est dure. Voilà, tout à fait. Varier. Ah, il fait des horaires de fou, hein. Conducteur de train, chasseur de primes. Oui, l'idéal, ce serait encore que les gens qui chassent prennent le train. Bah oui, voilà, ça peut être un piège. Mais bon, faut pas inverser quoi, parce que conducteur de chasse et chasseur de train, ça ne marche pas. Non. Mais bon, faut pas s'embrouiller. Oui, ils ont eu des problèmes. Dangereux. Chasseur de train, faut déjà des bonnes flèches. Oui. Faut courir aussi, faut avoir de l'endurance quoi. Oui, c'est ça. Faut quand même avoir de bons appuis. Après, bon, finalement, les bandits qui attaquent les trains, c'est un peu ça qui vont. Chasseur de train. C'est vrai. Mais bon, eux, ils s'intéressent à ce qu'il y a dans le train, pas au train lui-même. Bah, c'est-à-dire, ça m'a l'air assez dur à voler, cette histoire. Mmh. Oui, il faut avoir des grandes poches, quoi. Ouais, c'est peut-être avec un gros sac. Ou une charrette. Un tonneau. Un tonneau. Un tonneau dans une charrette. Un gros tonneau. Un tonnelle. Des tonnelles, du coup. Des tonnelles. Plusieurs. Pour chaque wagon. Ce serait pas mal. Déjà, on a solutionné quelque chose. Et ça, c'est beau déjà. Je trouve que le monde est moins compliqué déjà qu'on se parle maintenant. Ah oui, je suis d'accord. On trouve des solutions à des problèmes qui n'existaient pas avant. Bah, c'est ça. On a déjà la solution. C'est un problème que les gens avaient en tête, mais je trouve déjà bien. Si un jour ça devient vraiment problématique, nous on a déjà la solution. Mais voilà, mais c'est pour ça qu'il faut que vous soyez maire. Vous avez les solutions. Mais je trouve aussi. J'y avais jamais pensé et en fait, c'est lumineux comme idée. Mais oui! Depuis qu'on se parle, là, ça devient de plus en plus clair. Ben oui. C'est-à-dire que... Je comprends même pas qu'on m'a pas lancé sur cette idée plus tôt, parce que vraiment, c'est limpide. Ce serait un slogan, ça. Trouver des solutions à des choses qui ne sont pas des problèmes. C'est ça. Vous n'avez pas de problème, c'est votre solution. C'est ça va être super, ça. Alors là... Si vous n'avez pas de problème, je peux tout solutionner. Alors là, je pense que ce slogan-là,
résume parfaitement. Ça, c'est vraiment... Dites-nous de quoi vous avez besoin, je vous expliquerai comment vous en passez. De quoi vous n'avez pas besoin. C'est ça. Et je vous en ramènerai une pleine caisse. J'aime beaucoup. Et quoi par là-bas? Il y a quelqu'un à cheval qu'on va gêner. Il y a un cimetière et une église. Ah, oh oui. Mais les églises, elles sont ouvertes parfois, parce que j'ai pas l'impression. Bah non, j'ai pas l'impression beaucoup non plus. J'ai déjà venu ici nettoyer les tombes, moi. Vous saviez qu'on pouvait faire ça? Nettoyer les tombes? Il y a des petits chiffons, là, ici, sur le côté, je pense, je sais plus où. Je pense que c'est ici, à côté. Derrière le saloon, il y a un petit monsieur qui vend des chiffons. Enfin, qui vend pas des chiffons, il vous les donne. Oh! Et ça permet de nettoyer les tombes. Ah, d'accord. Bah, parfois, quand vous n'avez pas le sou, vous avez un petit... besoin d'un petit casse-dalle, c'est pas... c'est pratique. Ah, je savais pas qu'on pouvait... que le tout venant pouvait nettoyer les tombes. Bon, ça gagne pas grand-chose, hein. Ah, maintenant. J'imagine, oui. Bon, cela dit, la pêche, ça gagne pas grand-chose non plus. Vas-y, je vous rattrape, pas de soucis. Vous voyez? Ah oui! Jean-Monsieur! Ah bah regardez, si vous voulez vous humidifier le chiffon... c'est ici que ça se passe. Ah oui, ah oui, littéralement, oui. Ah là, j'humidifie, là. Ah bah je... Je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'humidifie. Écoutez, je vais le faire avec vous. J'ai même pas de chiffon, dis donc. Bah non, je pense que j'humidifie le bout de mes doigts. Ah mais on humidifie bien. Et ça, c'est bien. Important, comme on dit, c'est l'humidité. L'humidité. C'est vrai. Bon, c'est pareil. Oh, mais ça m'a nettoyé d'humidifier un chiffon. Ah, mais d'accord. Bah, incroyable, trop ah, bien. Ah, bah oui, vous êtes tout propre, tout fringant. Tout fringant. Comme un poney. Comme un poney, c'est ça. Comme le poney du même nom. Un bon nom de taverne, ça. Ça, c'est ça. Ouais, bah, franchement, j'y penserai. Après votre carrière de maire, cas où, c'est vrai. Reconversion en tenancier. Ah ouais. Ça va être dingue, cette histoire de maire. Bon, je sais même pas comment ça se passe. Il y a des gens qui vont s'y opposer. Ils vont dire, mais on va quand même pas voter pour ce crétin. Je les entends, les slogans. Bon, de toute façon, ceux qui parlent le plus, c'est ceux qui votent le moins. Ah aussi, c'est vrai. Donc bon. T'en as rien, il faut regarder. Oui. Parce que celle de Blackwater est toujours fermée. Hein. Bonjour, on peut rentrer? Oui. Oh, bah c'est beau. Oh, ah oui. Oh, bah c'est bien la première fois que je peux rentrer dans une église depuis que je suis arrivée. Amen tout ça. Bisous. Amen, bisous. Ah oui! Derrière la croix, ça en impose. Ah bah carrément. Peut-être après mère, je deviendrai curé. Oui. Curé exorciste. Ça va trembler dans les pianos. Ils font pas les malins avec leurs touches, là. Ah, c'est ça. Ah, on joue de la musique, on envoûte les gens. Oh, c'est joli. Je vais mettre de l'ordre là-dedans. Oui, il y a plein de trucs ici. Oh bah je pensais pas que c'était comme ça. Par contre, je pense que j'ai la... Je vais avoir les genoux un petit peu raides, mais j'arrive pas à m'asseoir. Ah oui, pareil. Attendez, j'ai une idée. Encore une solution. Pas de problème, que des solutions. Bon, par contre, ça fait des bleus. Non, mais vraiment, ils sont pas confortables. C'est la première chose que je changerais si j'étais maire. Oui, on dirait que vous arrivez pas à vous placer. Oh, ok. Ah oui, non. Oh, c'est 4. Décidément, ils sont trop durs. Ah oui. Ah bah ouais, allez pas vous blesser. Hein. Ah bah, et alors? Il gonzait. Ah, c'est bon. Non, c'est pourri. Faudrait au moins des petits coussins. Ah bah oui. Quelque chose, quoi. C'est un peu trop rustre. Hop là. Ah bah, bah dites donc. Cachez bien votre jeu. Ah oui, là, ça m'a échauffé.
Comment on sort dans ce truc, ici? On est mieux qu'on soit pas coincé. Ah bah ouais. Ah oui. Ah. Eh ben... Vous y arrivez? Oui. Je vous entends de l'autre côté de la porte. Ah, vous m'entendez de l'autre côté? Ah. Ben oui, ça va. Parce que... je suis pas loin de vous, je suis très proche. Voilà, ouais. Ok, d'accord. On était... Faut nous exorciser. Ah oui, c'est ça. Écoute, à l'époque, c'était pas des radiateurs, c'était du... Mais qu'est-ce qui perd tous ces chevaux comme ça? Ben oui, je me disais, ce cheval, il y a depuis qu'on est arrivé. Je pensais qu'il y aurait quelqu'un dedans. Bah non. Ah non. Oh. Oui, il y a encore du cheval. Ouh, la maréchaussée. Peut-être. Bonjour, messieurs. Et bonsoir. Ils sont toujours très occupés, la maréchaussée. Bonjour, oui. Madame. Bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes doctoresse, vous? Oui. Toujours utile. En effet. Effectivement, oui. On connaît un psychologue, nous. Quoi? On connaît un psychologue, nous. Et une chiropracteuse. Oui. Chiropracteuse. Ah, ça doit être ça. Ah, peut-être bien, oui. D'accord. Mais elle fait trop radiateur. C'est un peu rude, mais ça va. Ça ah oui. Elle a des méthodes un petit peu particulières, quoi. D'accord. On va pas vous embêter. Ils font quand même partie de l'ordre des médecins. Ah, je sais pas. Ah, moi, je me demande si elle fait pas ça en amateur pour le moment. Oui, je pense que c'est. C'est une itinérante. Oh bah en tout cas, oui. En tout cas, elle marche beaucoup. Et elle itinère. Elle itinère pas mal, en fait. D'accord. Ok. Et on vous venez la présentera. De... Blackwater, moi. Oui, moi aussi. Ah, même si là, on était à Strawberry avant. Juste d'accord. Avant, c'est vrai. Dans la soirée. Okay. C'était pas mal. Oui, c'est passé des choses ici, apparemment. Oui, ouais. Vous avez eu du boulot? J'ai eu du boulot, mais c'était ma soirée off à la base. Ah bah. Ah. Bon, dis donc. D'accord. Ouais. Ah bah oui, dur là. Bah ouais, mais bon, je suis chef de cabinet, donc... Oh! Vous vous appelez comment, si je puis me permettre? Docteur Duval. Mm-hmm. Wow. C'est ah bah donc vous êtes française aussi. Bonsoir. Bonsoir. Oh, putain, bonsoir. Bonsoir. Oh putain. Vous êtes des Duval? M'appelle Denis Duval, enchanté. Oh! Oh putain. Vous avez Madame Adélaïde Duval devant vous? Oh, mais putain. Oui! C'est pour ça. C'est alors, quoi, de Paris? Normande. De Rouen, donc pas bien loin. J'ai de la famille à Paris. Ouais, effectivement, oui. Oh merde. Va falloir qu'on discute un petit peu. Ça vient d'une branche très lointaine. Ah, c'est possible, c'est très possible. Mmh. Ah, les Duval. Moi, je suis du quartier des Lavandières à Paris. Ah. C'est peut-être bien que je ne saurais pas dire où ma tante était. J'étais trop jeune quand j'y allais. Oh bah. Ça va, monsieur. Le demi-frère de mon arrière-grand-père. Allez, oui. Relève-toi. Enfin, demi-frère, c'était son grand frère. C'est mon arrière-grand-père qui était le petit frère de cet homme. Pareil, était en Normandie. Ah, bah, je comprends déjà. Donc c'est mon arrière-grand-oncle. Ah, mais ça serait bien mon tonton, ça. Donc vous êtes un peu cousine par alliance, du coup? Ah, il semblerait, c'est bien possible. Il va falloir qu'on creuse une généalogie, là. Cousine par troisième degré. Troisième degré. Ah, mais t'es une petite laine, hein. 3 degrés, c'est pas grand-chose. Oui, voilà, ça va. Putain, oh, ah ouais, merde. Ah, c'est vrai qu'on est de la même couleur de cheveux, putain. Oh putain. Et vous avez aussi des petites fleurs? Non, me dites pas que vous connaissez. Attendez, vous aussi, vous êtes en Duval? Non, c'est pas un Duval, c'est pas un Duval. Duval. Moi, je suis un forêt. Attendez, moi, personnellement, on m'a trouvé dans la forêt. C'est vrai. On m'a confié un orphelinat. Si ça se trouve, je suis peut-être un Duval des pays chauds à 18 ou 23 degrés. Ah oui, je... À température ambiante, quoi. À température ambiante. Attendez, Duval, vous décrivez comment? Vous voulez pas faire médecin? Ah ouais, je peux écrire vraiment, donc... D-U-V-A-L. Et ouais, madame, bah voilà, vous voulez pas faire médecin, j'espère? Je suis arrivé il y a seulement une semaine. Oui, mais ça répond pas à la question. Oh, bah c'est que, pour le moment, je connais pas encore comment alors, ça se passe. Est-ce que, dans votre famille, on transmet un savoir des plantes de mère en fille? Ah, dans ma famille, c'était pêcheur, vu qu'on était à... Vu qu'on ah était oui, au bord de l'eau. En même temps, oui, si c'était le petit frère de... Le grand frère de... Ma mère adorait les fleurs, ouais. Mais bon. Vu qu'on a dû partir à Boston quand j'étais jeune. Ma mère, on
on se transmet un savoir de plante de mère en fille. Donc c'est pas lié à votre famille. C'est lié à mon arrière-arrière-grand-mère ou peut-être mon arrière. Ah oui, oui, effectivement. Ouais. C'est comme, c'est pour ça que vous êtes devenu médecin. Entre autres. À la base, je voulais ouvrir une entreprise. Oh, de quoi ? De savon et lessive et shampoing parfum. Et orpheline, hein. Bon, oui, non, ça c'est. Bonne soirée. Bonne soirée, moi aussi je vais y aller. Oh, au fait. Moi ? Lui ? Qui ? Vous deux. Ah. Oui. Vous étiez sur quelle ville aujourd'hui ? À Gourma. Alors, moi, Starfini, j'y suis jamais allé. J'ai fait Valentine. Moi non plus. Ouais, Rob, faut éviter. D'accord. J'ai fait des allers-retours. Ouais, je connais des gens qui y vont. Et ce soir, mais on est un peu sur Valentine à cause de Gourma. Ah ouais, c'est un truc de plante dans la famille là. Ah oui. Moi le seul truc de plante dans ma famille c'est la plante des pieds hein, donc. Ah oui, mais vous en avez, sûrement une costaude par contre. Bah oui c'est ça. Oui parce que le jeune homme est pieds nus. Ouais. Ça se voit pas quand je marche dans la boue, on pense que j'ai des bottes. Oui c'est vrai. Non et puis la boue ça protège. Ah. C'est vrai. Ah oui, en parlant de ça, dans Duval, je sais pas si un monsieur vous a contacté pour récupérer un corps. Du coup, il parle pas de moi. Non, ah, voilà, c'est bizarre. Il m'a dit que ça faisait. Il m'avait dit que ça faisait deux semaines. Il a l'accent chantant. Ah, vous le faites bien. Eh oui, merci. Bonjour. Je me suis retenu avec monsieur Wood parce que je sais le faire aussi. Ah bah. Je voulais pas le vexer. Et c'est un peu contagieux parfois. Ben oui. D'accord. Ah, je connais aussi qui a l'accent chantant, il venait du Pastaga. Ah, du Pastaga, bah ouais. Ça marche. C'est le même Queen. Ah, tout à fait. Bonne soirée, bonne nuit. Oh, bonne nuit. Bah, c'était à Blackwater d'ailleurs. C'est marrant, même mon copain, monsieur Carlton, il est pas pressé de venir là. Mais oui, ou alors on l'a raté. Il m'envoie des télégrammes partout. Ah oui, quand on était dans l'église. Non, je pense pas. On l'aurait entendu, il a vraiment une voix un petit peu. Quoi. Ouais, j'ai pas envie de vous spoiler la surprise, mais vraiment, vous l'allez reconnaître. Oui. De me quoi ? Merci. Vous spoiler. Me divulgacher. Vous divulgacher. Je voudrais pas vous divulgacher la surprise. Ah, le tribuche. Ah bah oui. Il faut dire, on est debout depuis combien de temps là ? Ça oui, fait bien bon. 6 jours qu'on a plus vu le soleil. Oui, c'est vrai. Ah bah, entre les saloons, les églises, et puis. Bon, c'est et puis fou. C'est tout en fait. C'est déjà beaucoup. Oula, pardon. Qu'est-ce que c'est ici ? Pour le shérif ? Ah, c'est le shérif. Ah oui, d'accord. Ouais, vaut mieux éviter de faire n'importe quoi, ils sont juste là. Bah oui. Ouais. On va se faire mettre en cabane. De Lucie, on a plus de sous. D'accord. On va éviter. Bon, je vais peut-être aller manger un petit quelque chose pour éviter de. Vu qu'on est à côté du saloon. Allons-y. J'aime bien ces portes-là, mais faut faire attention quand on est derrière. Oui, c'est vrai. Ça donne un air méchant quand on rentre. Ah oui, on rentre énervé. Jean-Monsieur. Bah. Acheter le commerce. Ah bon, juste un petit ragoût, ça aurait été suffisant. Manger quelque chose. Ça là. Je peux manger un œuf en saumure. J'ai des civets si vous voulez. Mais c'est surtout que là il me propose quelque chose, je vais goûter. Bon, faut t'en nourrir. Il me propose des œufs en saumure de l'autre côté. Mais c'est pas très nourrissant. Oui, puis ça n'a pas l'air très appétissant non plus. Ah oui. Une seule tronche. Ah mais il y a que ça en fait. Ah oui d'accord, il y a personne. Personne ne... D'accord. Oh non, j'en ai. Si. Ah d'accord. Mais bon, quand je suis près d'un saloon... Ouais, mais toujours bah, que... On regarde les spécialités. Ouais, est-ce qu'ils ont ? Ils ont pas de piano. Oh, ils ont pas de piano, les... Bah, j'ai l'impression. Oh mais ils ont... À distance. Il faut estime d'analyse. Ah, tout à fait.
Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Je commence à me demander si c'est un vrai hôtel, ça, ici. Regardez. Oh, une lumière rouge. Bonjour. Non. Là, quoi? Oh, ça doit être derrière. Ah bah oui, c'est dehors. Après, il y a l'étage. Ah. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde après, hein. Bah oui, tu m'étonnes que c'est fermé. Oh, là-bas aussi, il y a la lumière rouge. Ah oui, d'accord. Ah oui. Bon. Okay. C'est pas terrible parce qu'on est en face d'un mur. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pour les gens qui aiment personne, en fait. Pour un asocial. Peut-être ici. C'est très spécial, ces lampes rouges. Oui, hein. Parce que bon, bah, il y en a que à certains endroits. Ah, je peux fouiller le tiroir ici. Ah. Y'a rien dedans. Oui, bon, en même temps, bon, ça aurait été surprenant. Ah, ce qui manque ici, c'est vraiment un piano. Ah, mais ah, ici, oui. Un piano. Bon, oh, j'ai pas vu. Incroyable. Oh, mais oui. Oh. Alors ça, si je pouvais vous entendre. Oula. Y'a la tempête. Ça a fait vachement du bruit. Oui. Y'a une tempête. Allez, tant pis, je prends le risque. Oh. Oh, non. Ah, si. Attention. Oh, il se prépare. Il n'y a plus qu'à espérer que qu'il soit pas possédé. Oh mais oui, vous jouez drôlement bien en plus. Ben oui. C'est les bonnes sœurs, elles ont dit tu ferais mieux de faire ça avec tes mains plutôt que le reste. Du coup, ben, j'ai appris. Elles sont futées, les bonnes sœurs. Ah oui. D'autres danses. Oh boy, c'est pas mal. Petite danse de votre coin, ça. C'est affreuse. Bah, directement, on met l'ambiance dans ce raid là. Ah bah oui, bah faut bien. Eh, hey, à part nous, qui d'autre s'en charge? Bah, c'est ça. Le type le plus drôle de la ville, il est mort. Ah oui? Il était drôle? Bah, j'en sais rien, mais sûrement. Oh, peut-être qu'il est mort d'ennui. Ah, c'est bien possible. J'entends tellement des bruits ici. C'est oui, beaucoup de bruits. Il est hanté ce saloon, c'est pour ça qu'ils vendent. Faites attention à vous, hein. Vous semblez attirer les esprits. Écoutez, je vais essayer, attention, j'essaye d'arrêter. Ah. Oh, ça c'est pas mal ça. Et je découvre un peu mon corps. Ça hip, ça hop. Et tout des hip, et tout des hip, et des hip. Ah oh, vous faites bien le bidibop. Mais oui. Bon bah décidément, je peux vraiment pas m'arrêter. Ah. Vous allez chercher quelqu'un? Attention. Même en levant les mains? Lève-toi, Prosper. Au nom du Christ. Pas du tout. Ah bah oui, non, bah voilà. C'est foutu. Je suis encore une fois possédé. Attendez, j'ai un lasso. Arrête, allez-y. Denis. Ah, vous avez le rythme dans la peau, c'est dingue. Ah, je ne sais plus m'arrêter. Démon de la danse. Oh, mais j'adore ce son. Je vais attendre un petit peu. Ah, bah, allez-y, faites-vous plaisir. C'est pas facile, je connais pas bien les paroles, mais. Paroles, en fait. Oui, c'est ça. Ce serait vraiment bien. C'est bien d'en jouer. Ah, j'ai mes doigts qui ont fourché. C'était
vachement bien. Vas-y, vraiment très sympa. Bon. Essayez de me la sauter. Oui. Alors. Faut que je le mette dans mes poches. Alors, jamais la sauter personne. Ah, il y a un début à tout. Attention. C'est parti. Oh bah. Waouh. Ah bah, je vois rien du tout, moi. Ah bon? Ah. Ah bah. Ah bah, c'est pas prévu, ça. Cette victime d'hallucination. Est-ce que faut que je vous ligote en plus? Bah, peut-être bien. Ouais, bon. Faites-le. Allez. Hop là. Ah, mais vous êtes déjà. Ah. Vous êtes déjà à terre, alors je vais avoir du mal, je crois. Attendez, je me lève. J'essaye de partir. Ah, bah non. Bon, super. Mm-hmm. Qu'est-ce que je peux faire? Essayez de faire de la chiropractique. Vous voyez un petit peu les méthodes de Madame Daphné? Oui. À essayer de faire ça. Bon, je vais essayer. Mais à terre, je sais pas ce que ça va donner. Ah oui. Ah oui, mais je suis pas à terre, moi je suis toujours. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, d'accord. Ça explique. C'est oui. Très embêtant du coup. Ah si. Oulou. Peut-être comme ça. Si je fais ça. Attendez, j'ai une idée. Si je fais ça. Ouf. Ah. Vous me voyez où? Ah bah je vous vois glisser très haut. D'accord, ok, c'est vraiment bizarre. Impression. Vous ah faites bah le poisson. Encore maintenant? Oui. Ah oui, c'est très étonnant du coup. Mais du coup vous allez très vite sur le sol. Ah bah zut, moi je me vois pas bouger. Peut-être que je suis mort. Peut-être que je suis vraiment pas parti dans le. Oh non, je suis peut-être un fantôme. Je peux appeler un médecin, hein, ils étaient pas loin. Attendez. Oh bah doucement. Ah bah je peux sortir. Ah bah oui, je peux. Je sais pas si vous devriez là. Ah bon, ça vient peut-être de moi, hein. Bah j'ai l'impression. Ah je vais. Attendez. Faudrait que je demande à quelqu'un. On va essayer de trouver quelqu'un. Il faudra un exercice. Bah y'a plus personne évidemment. Ah, si ça se trouve ça va se terminer à l'église, ça je le sens. Excusez-moi monsieur, vous voyez mon acolyte comment? Bonjour monsieur. Bonjour. Oui voilà, y'a un souci, on est d'accord. Ah, est-ce que tout le monde me voit faire des trucs bizarres en fait? Attendez. Ah bah vous frétillez comme un beau poisson dans l'eau. Ah voilà, parce que bon, il ne me croyait pas tout à fait. Je suis en fantôme en fait. Bah, c'est-à-dire que moi je me vois debout derrière vous, donc Ah, derrière moi? Attendez. Attendez. Ah, d'accord. Ah, oui. Mais, à terre, j'y arrive pas. Je vais me mettre à... Ouais, mettez-vous devant moi. Voilà, là je suis... Ah, presque. Non, non, là je suis juste derrière vous, là. Mettez-vous devant moi. Bon, hop, je me mets devant vous. Pardon. Ah, presque. C'est incroyable ce super pouvoir. Je m'éloigne un petit peu. Oui, au sol, moi j'y arrive pas. Attends. Essayez la chiropractie. Bah non. Oui, j'ai essayé de. Même ça. Ah, c'est fou. De le redresser à la main, je sais pas. Aïe. Ah bah, mais je vous dis, je suis un fantôme, ça y est. Je crois que c'est la connerie qui. Ouais. Mais un petit dodo, ça se. Ouais, c'est le piano. À chaque fois qu'il fait du piano, ça se passe mal. Oula. Tous les pianos du pays sont possédés. Alors non. Alors non, en fait c'est que... Mais bien sûr que si, madame. Pour vous lever, il faut pas se casser la figure. Il faut nous plutôt sachons. Penser à faire une croix sur l'activité que vous faites. Bah c'est bien ce que j'avais essayé. Sinon là... Un petit dodo. Oui. Dodo, va falloir vous coucher. Se rafraîchir la gueule. Ouais, se rafraîchir la gueule. Ouais, ah oui. Se rafraîchir la gueule, ça serait pas mal. Ah, parce qu'on vous voit dans la boue bien comme il faut. Hein. Ah. Et vous vous tordez dans tous les sens. Ouais, allez vous rincer la gueule derrière. Bonsoir. Je reviens, je vais essayer de me rincer la gueule. Ouais, vas-y, allez, rincez-vous la gueule. Mais je vous assure que je suis un poltergeist maintenant, je suis sûr. Oui, vous êtes poltergeist. Alors, poltergeist, c'est pas possible. Mais elle est frétillée, y a pas de soucis. Attendez, vous voulez savoir si je suis un esprit frappeur ou pas? Ah, dites-nous. Voilà, alors c'est quoi ça?
De quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Je n'ai rien vu. Frappeur ou chien pas frappeur? Ah bah vous avez pas frappé hein. Il m'a frappé. Ah bon? Ah bon? Monsieur, il est témoin. Là, c'est un esprit frappeur ou ça? Je vais m'éloigner moi. Bon bah voilà. C'est bien ce que je disais, je suis mort et je suis un fantôme. Mais non, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos. Rafraîchissez-vous trois fois la gueule. Bah je vais aller me rafraîchir trois fois la gueule. Enroulez-vous dans du jambon beurre à la pleine lune. Ah oui, enroulez dans du jambon. Oui. Ça marche. Mais il en faut 12. Et puis sauter à cloche-pied trois fois autour de l'église. Ok, je fais ça tout de suite, j'arrive. Alors beaucoup de jambon. C'est incroyable. J'ai rarement vu un départ aussi. Je savais pas qu'on pouvait frétiller à cette vitesse. Oui. Ah oui, hein, y a beaucoup de poissons, ils y arrivent pas. Hein. Ah non, là. C'est un beau morceau que vous avez pêché. Oh merde, putain. Incroyable. Ah oui, c'est un sacré phénomène. Ah putain. Elle a été trouvée dans la forêt. Hein. Bah ouais, bah ça se voit. Hein. Ça, c'est des origines qui ressortent. Hein. Ah oui. Je te rappelle que t'es français. Bah et alors? Bah ouais, quoique t'es pas de Normandie. Ah bah lui, on sait pas d'où il est après. Français du Nord, moi. Ah, du Nord aussi? Ah, moi, oui, je suis de Rouen. Ah bah moi, je suis de... Je suis plus. Oh waouh. Vous êtes parti jeune, je comprends. Hein. Oui, je suis parti jeune, c'est pour ça. Oui, voilà. Ah, toi, t'as été fini au Picombière. Hein. Bah allez où? Ah, c'est bon. Ah, Ah, bah, voilà le petit hareng. Vous savez, c'est quoi le secret pour un bon exorcisme? Ah. Humidifier le chiffon. Eh ben, on a bien fait de le faire tout à l'heure. Ah, bah, ouais, c'est clair, c'est la solution. Ouais, se rafraîchir trois fois la gueule, c'est pas mal. Ouais, ça marche bien. Trois bon. Fois la gueule. Vous avez utilisé du jambon beurre ou pas? Ah, non. Bah, non, du coup, non. J'avais pas ce qu'il Du coup, ça sert à rien. Pour la prochaine fois. Bah, ça va m'en faire des anecdotes en plus. Là. Ça fait beaucoup de choses, hein, ce soir. La dernière fois que j'ai été possédé comme ça par un piano, c'était à Blackwater. Ah oui. J'avais pas de témoin. Vous arrivez la même chose? Exactement la même chose. C'est parce qu'à chaque fois, il se lève. Comment dire? En se prenant les pieds dans le tabouret. Bah non! Sauf que pour ça, en fait, à la place, il faut se dire que vous finalisez le morceau et puis c'est bon. Attendez, est-ce que vous voulez voir un tour de magie? C'est exactement ce que j'ai fait. Ah oui! Allez, venez au salon, je vais vous montrer un petit quelque chose. Oh, bah ça, avec plaisir! Je jure que moi, si j'y vais, ça fait pas pareil. Hein. Oui, on passe le cheval tout blanc dans la boue. Je suis sûr que vous êtes une âme pure, vous êtes protégé. Ah bah c'est une Duval, hein! Ah bah voilà, bah c'est pour ça! Moi, vous savez, j'ai pas une ascendance de fou. C'est pas mon passé. Hein. Alors. Moi, je pense que mes parents ont fait un pacte avec le diable. Je vous propose de rester là où vous êtes. Je reviens et je vais vous faire un petit tour de magie. Okay. D'accord. D'accord. J'en ai vraiment pas besoin. Je bouge pas. Allez-y. Allez-y, oui, montrez-nous. J'ai juste très mal aux cuisses. Ah oui. Oh, bah, dis donc, sacré gainage. Hein? Ah, c'est le corset qui fait tout, hein. Oui, c'est vrai. Ça maintient. Alors petit souci, mon tour de machine ne marche plus. J'ai entendu des choses là-haut. Ça a changé. Merde. Non, voilà. Je fais une croix sur Voilà. Oh, bravo. Vraiment, c'est ça. Moi, je pense que... Pour faire une croix sur l'activité, hein. Mais oui, mais c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait une croix sur l'activité. J'ai même attendu que le morceau s'arrête. Mais je pense que mon âme est impie, madame, c'est tout. C'est comme ça. Non. Votre âme est une pie? Ça a pas marché, putain. C'est parce que le tabouret, il est cassé. Ah, c'est avec le tabouret? Oui, c'est avec le tabouret. Ah, zut. Et en plus, il y en a pas d'autres dans le coin. J'essaierai une autre fois. Non, bah, c'est un magicien à tabouret. Tu peux, regarde, moi, je l'ai bien fait. Oui, mais vous voulez faire un tour de magie? Et moi, ça marche pas. Ah, mais c'est parce que vous avez pas les cuisses de la dame, là. Vous savez pas gainer comme ça. J'ai pas des bonnes cuisses, moi. Mais c'est ça. Tant pis.
Dommage, fallait porter un corset depuis l'âge de 6 ans. Ah bah ouais, non, ça va aller. Faites des squats. Comme ça. Moi j'ai une meilleure. J'ai une meilleure façon de faire. Oh, ah oui, bravo. Il est mal levé. Ça marche ? C'est un peu de côté. Ouais, c'est... Oui, oh, ça fait mal. Hein. Je sais quand même vachement... Oui. Et quand même, hein. Effectivement. On en ouais, apprend des choses. Oui. Oui, merci. Si j'arrive à ouvrir ces putains de portes. Ah, elles sont dangereuses. Ouais, des fois, c'est compliqué. Y'a rien qui va dans cette ville quand même, les tabourets, les portes. Ah bah, c'est une ville pleine de surprises. Toutes les villes, hein. C'est dingue. Moi, je vais attendre, je vais pas me prendre le retour. Voilà. Oui, c'est ça. Ah, j'avais vu des gamins qui partaient loin. Ah bah, que d'aventure. Que d'aventure. Bon bah, votre ami, hein. Ah bah, je pense qu'il est parti. À mon avis, il est tombé. Il a tendance à picoler, donc peut-être qu'il est tombé endormi. Hein. Non, c'est pas notre genre, ça. Je vais aller vérifier. Je vais lui dire que je vais aller me coucher aussi, je pense. Oui. Oui, oui, bah je pose aussi. On a eu assez d'émotions. Oh bah oui, là, vraiment. Mais bon. Oh, c'est votre cheval qui est occupé de faire son meilleur repas ? Non. Ah non. Peut-être. Non. Ah, d'accord. C'est la vue, c'est... Oui, non, mais je comprends. Non, mais j'ai le soleil dans les yeux. Non, c'est pas le mien. Non, le mien était par là. Si vous voyez plus de près, c'est que vous êtes... Ah comme oui, c'est qu'on casse-couille, presbyte. C'est ça. Ah, pas de trace du canasson. Encore parti faire non, ils arrivent à se détacher drôlement vite tout seuls quand même. Mais je trouve ça fou, moi. Ils sont doués. Ces petites bêtes. Ah, pourtant, avec les sabots, ça peut être facile. Ben non. Ils arrivent par où si on siffle ici? Ah, du fond, là-bas. Ah, ça va. Je me méfie, hein, quand on est près des villes. Ah, mais vous allez pouvoir tester le foin. Oh oui. Doudou bijou. Doudou, doudou. Eh oui, doucement. Et que j'ai pour toi? Ah bah oui, bah j'aime bien le foin en plus, bah c'est parfait ça. Redonnez un peu votre prénom et votre nom avec toutes les lettres, histoire que je note ça quelque part. Denise, comme Saint-Denis, avec un E. Et Duval, D-U-V-A-L. Certains m'appellent Dédé. Faites comme vous voulez. Et vous, okay, parfait. Bon, ça va, vous c'est facile. Moi ça c'est facile, bah, Prosper. Vous, c'est facile, ça va. Prosper, c'est comme ça se prononce, y a pas de lettre un petit peu cachée. Bah non, ça se termine par un R. Prosper. Parfait. Forêt. Comme la forêt. Et forêt comme la forêt. Y a un accent circonflexe ? Je sais plus s'il est circonflexe ou pas. Il est pointu ? Bah je vous assure, je sais plus. Bon bah, de toute façon, je serai vite. Au cas où, je serai vite. Je bah serai oui, si c'est pas bon. Si vous recevez rien, c'est que c'était pas ça. Je vous enverrai un télégramme, vous allez voir. Voilà, vous en premier, ce sera mieux. Ce sera plus simple. Comme ça, si jamais j'ai une fois des aventures avec Monsieur Carlton, je vais vous le présenter. Ah bah oui, il est marrant. Bah oui, c'est vrai. Il est un peu bizarre, mais il est marrant. Ah bah maintenant, il me tarde de le rencontrer, j'ai entendu, entendu des choses sur lui. En plus, à ce qui paraît, il a retrouvé la piste du Perpétou. C'est un peu bizarre comme nom, ça m'a aussi fait rigoler. Le Perpétou. Oui, parce qu'il en avait au Pétou un peu des enfants, donc ça c'est moins drôle. Mais il avait disparu et lui apparemment il a retrouvé. Il avait des enfants dans le Pétou. Ouais, je sais pas, non, c'était plutôt par rapport au Pétou des enfants. Ah oui. Ah oui, je vous avais dit qu'il était à la recherche des pédologues. Ah oui, c'était un... Des pédologues. Un podologue. Mais c'est ça. Voilà. Ah oui, oui, oui. Sacrée histoire ça. Bah, faudrait qu'il nous raconte. Ah bah oui. Je suis sûr qu'il va pouvoir vous dire tout ça. Ah oui, ça je veux savoir. Ah, et puis c'est bon à savoir si on a quelqu'un comme ça qui sait espionner, qui sait enquêter. Mais c'est ça, et surtout qu'il y a un train. Et qu'il y a un train ? Ouais. Ça, c'est vraiment ça, c'est encore mieux. Ça c'est encore mieux, bon il peut enquêter, c'est super, mais lui il y a un train. C'est lui qui le conduit tout le temps ?
C'est un de ceux qui le conduit tout le temps, oui. Ah, d'accord. Mais par contre, le train, il vient pas par ici. Il fait un drôle de petit circuit. Alors oui, on m'a dit qu'il passait pas par ici. Ben non, il fait... Je l'ai jamais vu. Bon, après, il fait un bon tour, quand même. Ouais, il fait déjà un bon tour. On lui demandera de faire un tour. Ah oui. Ça coûte pas cher quand c'est lui qui conduit. Ah bah c'est bon à savoir, ça. Ça, c'est pas mal. Et vous êtes dans le coin quand, vous? Oh bah écoutez, je suis dans le coin un petit peu... C'est pas très régulier, en fait. Oui, bon, moi non plus. Hein. Mais bon. C'est plutôt le soir, quoi. Je pense que je serai là dans le week-end. Pas dans la fin de semaine. Ah bah, on essaiera de se rechoper comme ça. Exactement, chopons-nous. 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 Et puis bon. Dire, voilà. Ah bah, avec les mains levées. Ah ouais, attention. Et puis, je voudrais qu'on reparle de cette histoire de mer. Ah bah, carrément. Ça, je le garde dans un petit coin de ma tête, ça. Oui, il pourra nous aider, monsieur votre ami, dont j'ai oublié le nom. Monsieur Carlton. Carlton. Dusty Carlton. Dusty, baby, Dusty. Dusty Carlton. Bon, bah, c'est bien chouette. Eh ben, écoutez, j'ai fort apprécié cette soirée avec vous. J'ai très sympathique. C'était bien drôle. On a beaucoup puis, rigolé. Oui, effectivement. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Eh ben pareillement, dormez bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah là là. Quelle soirée. Que de surprises. Hein. Bon bah je vais pas... où est-ce qu'on va du coup? Est-ce qu'on va est-ce qu'on s'arrête à Saint-Denis? Est-ce qu'on s'arrête à Black Potty? Est-ce qu'on s'arrête à Annesbourg? Pas Annesbourg, à Strawberry. Ah. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était fort sympa. Bonne soirée. Bonne soirée. Très bon soir, madame. Vous êtes... Non, mais trop marrant, trop marrant. Trop marrant, le jeune homme. Attendez. Ouais, bah écoutez, on va se coucher aussi, hein. Il est temps, là, hein. Où est le cheval? Il est temps. Mais voilà, c'était bien drôle. Je vais regarder où c'est, du coup. Alors, je vais tester. Faut que je fasse gaffe. Montaigne, Strawberry... avec le prochain maire peut-être. Ah, c'est le genre de personnage que j'aime beaucoup, moi. Je suis vraiment très très fan de... il est très bon il est très bon dans son personnage et puis bon voilà, on sent bien que tout peut arriver avec ce style de personnage, alors c'est bien. Moi je suis très cliente. Ah, ce serait très drôle qu'on arrive à le mettre à la mairie. Ouais, j'avoue que ce serait assez drôle. Reviens, il est drôle, oui, il est vraiment drôle. Et puis... Ouais, et puis voilà, il a l'air assez open à tout et tout, comme je suis aussi, hein. Moi, tu m'embarques dans un truc, je dis oui. Donc, non, c'est cool. C'est bien marrant. Si je fais cette ligne-là, ça devrait le faire. Et puis voilà, rencontre dans le salon bien cool. Et puis maintenant, bah, j'essaierai de jouer samedi ou dimanche, en fonction des dispos, mais j'aimerais bien être là samedi soir, parce que je pense qu'il y a du monde le samedi soir, mais bon, moi je vais être clacos. Et ce serait pas mal pourtant. On va essayer d'aller jusqu'au fleuve et de couper le fleuve. Oh merde, ma touche rémanente. J'y trouve... attendez. Je peux pas faire désactiver le raccourci parce que j'ai peur que ça me... Bah, ça fasse un problème. J'espère que ça va dans le chat. Je sais qu'à ce soir-là, en RP, on doit pas avoir grand monde. Mais j'espère que vous allez bien. Et du coup, bah... Je suis un télégramme, bah tiens, ça va être...
Ce cher Prosper Forêt. On dit tout le temps Forest d'ailleurs. Ça. On anglicise le terme. On a tous dit Forest alors que c'est Prosper Forêt qui m'a dit. Ah mais ça fait beaucoup de monde. Mais voilà, je la rencontre pas la Abigail là. Oui c'est ça. Abigail. Oula. Duval là. C'est rigolo. Mais oui, impossible de la trouver sur le Discord. Après peut-être qu'elle est tout le temps hors ligne pour être tranquille. Je peux comprendre. Faudra que je vois. Non, bah c'est bon. Ça nous fait une petite soirée sympa. On a pu mettre des sous de côté. J'ai pas acheté mon seau, mais j'achèterai la prochaine fois. C'est pas un souci. Et puis on pourra tester. On testera ici, je pense, de chercher l'or, c'est-à-dire un peu loin de plein de trucs pour être tranquille. Parce que je pense qu'on se fera braquer. On cherche l'or sur un chemin, il y a tout le monde. Bah, c'était un peu ça que je craignais et je plus ou moins la confirmation que bon, Strawberry, c'était un peu dangereux quoi. Surtout pour les Québécois. On va savoir pourquoi. Après, on le reconnaît bien et bon, bah. Si des mecs savent qu'il se fait du fric, bon, bah, ils vont le focus quoi. Ça semble être un petit peu le cas. Étonnamment. Je vais aller après. Hein. Là, on va se déco tranquillou. Et puis voilà, puis ça fera une bonne session. J'ai pas du tout appuyé sur Tab. Ah non, j'appuie sur la roulette. Oui, c'est vrai. Je suis en bonne direction ou pas? Je fais n'importe quoi, moi. Non, pas du tout. On a gauche. Bah, au chemin. Hein. Limite, on se pose à Strawberry, mais bon. Je préférerais me poser à Blackwater. On croise toujours du monde, enfin non, pas toujours, mais on croise souvent du monde à Blackwater quand même. Donc c'est le bon bail. C'est tout dans la bonne direction. Hi, totalement. Bon, je vais essayer de mettre un point quand même pour voir si le cheval il fait tout seul. Genre ici. J'arrive pas à mettre un point, ajouter une balise Z. Le saloon. Ah. Vanille, Denise, vanille, rapide, les oubliés. Alors attends, le cheval est censé connaître la route. On me dit si je me mets en comme ça. Bon là c'est moi qui ai dû tourner, donc on va voir. Ah là, elle tourne tout seul. Toute seule. Ouh là là, elle dirige plus du tout là. On va mettre en V, on va voir. Putain, regardez, est-ce qu'il va pas du tout? Mais attends, pas du tout. J'ai juste que ça. Ah si, il faut que je lâche tout. Oh, je lâche tout. Et là c'est bon, parce que j'appuyais sur Z. Je croyais qu'il fallait que j'appuie tout le temps sur avancer, parce que sinon le cheval n'avance pas. Ah oui non, en fait c'est trop bien. Là c'est bon, j'ai lâché. J'ai tout lâché. Mes petites lunettes pour apaiser. Je sais pas si ça fonctionne, j'ai des mystères, on verra. En tout cas...
Session très cool. Là, je me suis bien amusée. C'était vraiment marrant. On est peut-être resté un peu trop longtemps dans le saloon, mais en dehors de ça, c'était cool. Super. On a pas l'air en forme, la petite. Super. On m'entend, là ? Cinématique. Ah, Denis s'en va au loin. Un petit trou, hein. Voilà. J'ai envie d'aller aux toilettes. Mais bon, on rentre à la maison. On va faire un petit peu. Là, je ralentis parce que là, il y a une descente. Quand même. Mon petit coin de pêche, enfin, pas loin. Zwer. Belle descente. Merci. C'est une belle descente. On accélère. Oh, joli plan. On voit rien, mais c'est joli. Ah là, c'est l'église. On y est prêt. Ouais. Ah là là. Bon. Mais on va se poser au salon, non? Et puis on va dodo. On sera bien marré. Très contente de cette session. Moi, je peux pas me mettre là. Monsieur Chou. De manière ou d'une autre, oui. Tant pis. Faudra qu'on dise à Monsieur Dubois de lui offrir le plus beau des cercueils. Bien sûr. Ouais. Avec une couille de blaireau dedans.
Pardon, pardon. Désolé, il s'est un petit peu embrouillé. Allez, je vais me mettre là. Ouais, j'arrivais pas à le... Je voulais le prendre et le guider pour qu'il s'éloigne. J'ai pas réussi. Ah bah c'est ceux qui parlent du... De la mort RP qu'il y a eu. Terminé. Comment t'as la raid? On prend une. Hic. Hic. On va aller chez Kou. On va aller se chez Kou. Hop là. Et voilà. À tes yeux. On arrête là. Bisous VOD. Très bonne nuit.